Good morning à la Yidane et Tusra aujourd'hui, le Nishmat Chayester Bat Myriam, ainsi que les Refouat, Olivier Israël Shimon Ben Chayester, Hamshat Myriam Bat Roslena, Binyamin Ben Chibiba, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sérat Shabbat, Perikutet, Mishnah. Hey! Katan Nimol Lishmona Le Tisha, Vela Asar, Vela Achadasar, Vela Shnamasar, Lo Parchot, Velo Yoter. Haketzad Kedarko Lishmona. נולד לבן השמשות, נימול לתשעה. בן השמשות של ערב שבת, נימול לעשרה. יום טוב לאחר השבת, נימול לאחד עשר. שני ימים טובים של ראש השנה, נימול לשנים עשר. קטן החולן מועלין אותו עד שיבריא. Et on traduit directement, on continue avec les lechot du Brit Mila, à préciser davantage le devoir de faire le Brit Mila le huitième jour. On va apprendre que des fois, ce huitième jour, ça va se transformer en 8, 9, 10, 11, 12 jours parfois même. Et on commence par traduire. Katan Nimol Lishmona. Un petit, un bébé qui va naître, qui est né en temps normalement, il se fait, on lui fait le Brit Mila, on lui fait la Mila, Nimol, on lui fait le Brit Mila. Lishmona au huitième jour, ou encore parfois les Tisha au neuvième jour. Vela Asara et parfois au dixième jour de sa naissance. Vela Hadassar, parfois même encore au 11e jour, Velishne Massar, ou encore au 12e jour. L'opachot Veliotar, ni plus, ni moins. C'est-à-dire, parfois, le devoir de faire le Brit Mila au 8e jour, d'un enfant tout à fait normalement constitué, aucun problème, pas un enfant malade, l'enfant malade, on en parlera à la fin de la Mishnah, là dans la phrase, regardez, Katana Cholen, Molenoto, Chiavri, on en parlera plus tard. Pour le moment, un enfant qui est né normalement en accouchement naturel, comme il faut, pas par césarienne, et on doit lui faire le Brit Mila le 8e jour, et parfois, techniquement, à cause du Shabbat et de Yom Tov, comme ce qu'on va voir dans les détails, eh bien, on ne pourra pas faire le Brit Mila le 8e, on va reporter parfois même jusqu'au 12e jour. Comment se présente le cas? Haketzad, comment se présente le cas? Kedarko Lishmona, tout d'abord, s'il est né normalement, il n'y a aucun problème, eh bien, on le fera le Brit Mila le 8e jour, et même si ça tombe Shabbat, on fera le Brit Mila le Shabbat, parce que la Brit Mila repousse le Shabbat. Par contre, Nolad le Ben Hashmashot, s'il est né Ben Hashmashot, après le coucher du soleil, Ben Hashmashot est littéralement entre les deux soleils, c'est-à-dire entre le soleil et la lune. C'est-à-dire, c'est un sujet qu'on a déjà, évoqué, mais quand même on le répète, le coucher, la tombée de la nuit, le jour, chez nous, débute le soir et se finit à la fin de la journée du lendemain. D'accord? À partir de quel moment précis on considère qu'on est passé du jour à la nuit? C'est assez discuté, long et compliqué. Première étape, le coucher du soleil. Déjà, il y a l'heure de la Shkia, ce qu'on appelle la Shkia. À ce moment-là, c'est encore juif, c'est encore jour. Quelques minutes après, concrètement, il faut le savoir, que selon la Gemara, la halakha stricte, une, deux minutes après, c'est encore considéré comme jour, même si on ne s'appuie pas sur ça, la coula. Une femme qui doit faire un sektara, par exemple, après, pour se purifier, on ne s'appuie pas du tout sur tout ça, elle doit le faire sur le sektara, tant qu'il fait le jour. Sinon, qu'elle pose la question à Rav en lui donnant exactement les heures, là n'est pas le sujet. En tout cas, donc le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, il y a encore deux minutes comme ça, encore un petit moment. Après, on commence à entrer dans la phase du Ben Hashmashot. Entre les soleils, c'est-à-dire entre la journée qui vient de passer et la nuit qui tombe. Comment considérer cette partie-là? Ça peut durer jusqu'à 18 minutes, et en réalité même plus, si on veut te marmir sur Abenotam, il y a des Keilot qui font attention, enfin, en général, beaucoup s'efforcent à faire sortir le Shabbat selon Abenotam, parce que le Shulchan Aruch, dans un endroit, il a laissé entendre qu'elle a la traité comme Abenotam, contre un autre endroit. C'est une vieille discussion très longue depuis les Géonim, et comment considérer la Shkia, et la Shkia, le coucher du soleil. Sur Rabbi Noam, on va jusqu'à 72 minutes après le coucher du soleil, je ne sais pas si vous imaginez, il fait nuit noire. Mais quand elle était, si vous regardez le ciel à la tombée de la nuit dans un endroit bien dégagé et pas éclairé, vous verrez que on ne passe pas du jour à la nuit. C'est un phénomène assez long, depuis le moment où on voit encore à l'horizon, à l'ouest, on voit encore une lueur, tandis qu'à l'est il fait déjà bien noir. Il y a une souga qui se trouve dans le Shabbat, dans le Perek Bet, qui rallonge beaucoup pour définir c'est quoi le coucher du soleil. D'accord? Il y a plusieurs étapes. 13 minutes et demie, 18 minutes, 24 minutes, et les Chazonichnik de Abne Brak, ils sont marmirim 40 minutes, et le Rabbi Notam, comme on a dit, 1h12. Et maintenant, Kedarko, donc, premièrement, la Mishnah me dit, tu sais, il y a parfois, s'il est né normalement, le 8e jour, Nolad Ben Hashmashot, s'il est né entre les soleils, c'est-à-dire après qu'on va considérer après le coucher du soleil,
C'est-à-dire, on était Shabbat après-midi, et l'enfant a commencé à sortir la tête après le coucher du soleil. Là, on a un problème. Comment considérer cet instant? Si cet instant, c'est encore jour, alors il s'avère qu'il est né le Shabbat. Et en théorie, on pourra lui faire le Brit Mila le Shabbat d'après. Sauf qu'il est possible que cet instant est déjà la nuit. Et si c'est la nuit, donc il est né le dimanche. Donc il faudra lui faire le Brit Mila le dimanche. En aucun cas, on ne pourra pas lui faire le Brit Mila le Shabbat dans le doute. Parce que dans le doute, on ne va pas te permettre de repousser le Shabbat. Peut-être qu'en ce moment, tu as un enfant qui n'est pas encore arrivé à maturité pour faire le Brit Mila. Donc tu vas reporter ça au 9e jour. Il s'avère que déjà, donc tu as commencé du Shabbat. Peut-être qu'il est né le Shabbat, mais tu vas reporter ça au 9e jour, au dimanche. Maintenant, donc Nimol le Tisha, on le fera le Brit Mila le 9e jour. Ben Hashmashot Shel Erev Shabbat, Nimol la Sarah. Par contre, si c'était le Ben Hashmashot, mais pas de la sortie du Shabbat, le Ben Hashmashot de l'entrée du Shabbat, alors il fera le Brit Mila la Sarah, c'est-à-dire, il est né le vendredi après-midi, ils sont partis à l'hôpital, vendredi après-midi, et voilà, elle est entrée en salle d'accouchement, déjà, Shabbat était en train d'entrer, on avait déjà le Ménéro, tout allait bien, on regardait la montre, et puis l'enfant, il est né 2 minutes après la Shkia. 2 minutes après la Shkia, par exemple, même 1 minute après la Shkia, je crois que ça revient même. 2 minutes après la Shkia. Alors là, on a un problème. Comment considérer cet instant? Il est né le vendredi, concrètement. Son 8e jour, ce sera le vendredi d'après, ou ce sera le Shabbat? Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas faire le Brit Mila le Shabbat. On devra reporter le Brit Mila au dimanche, pas le vendredi, parce que peut-être qu'il est né le Shabbat, concrètement, et que le vendredi, c'est le 7e jour. Le Shabbat, tu ne pourras pas le reporter dans le doute. Peut-être qu'en réalité, il est né le vendredi, donc tu ne peux pas faire une Mila qui est plus en temps au 8e jour, tu n'as plus le droit de le faire le Shabbat. Et en fait, donc tu vas le reporter au dimanche. Donc on se retrouve déjà qu'on est arrivé au 10e jour. Et on continue maintenant, on rajoute à la sauce un Yom Tov. Yom Tov le Achara Shabbat. On a un jour de Yom Tov qui tombe juste après le Shabbat. C'est fréquent à Shavuot, je crois que l'année dernière c'est comme ça. On a le Shabbat, ou je ne sais plus, en tout cas c'est assez fréquent. On a le Shabbat, et puis après du Shabbat, on entre dans le Yom Tov de. Ça peut être Pessah, ça peut être Shavuot. Alors quoi? On ne pourra pas faire le Brit Mila, le Yom Tov. Parce que le Brit Mila, le 8e jour repousse le Shabbat, repousse le Yom Tov. Mais un Brit Mila qui est repoussé, qui n'est plus en temps et en heure, eh bien, il repousse ni le Shabbat et ni même le Yom Tov. Bien qu'en réalité, entre parenthèses, d'abord je finis ma phrase, après j'explique le petit chidouche quand même. Donc maintenant, s'il est né à la Ben Hashmashot du vendredi, aujourd'hui c'est vendredi, et vendredi ce soir, la femme va accoucher 2 minutes après la Shkia. Peut-être qu'il est réellement né le vendredi. Le vendredi d'après, on ne pourra pas faire le Brit Mila. Le Shabbat, on ne pourra pas faire le Brit Mila. Le dimanche, ce sera le Yom Tov aussi, Shavuot par exemple. On ne pourra pas faire le Brit Mila dans le doute. Donc on va reporter ça au surlendemain, au surlendemain, je ne sais plus où on en est. Et donc, en théorie, au lieu du peut-être le vendredi, ben on va le reporter ça au lundi. Donc on se retrouve avec 11 jours, d'accord? C'est ça les Hadassah. Petite remarque que je voulais ajouter, c'était l'histoire de assez de chelot assez. On a une grande règle en général que une mitzvah assez repousse, en général, c'est un sujet assez vaste, mais une mitzvah assez repousse un lota assez. Donc quand je fais une mitzvah positive, ça repousse une mitzvah négative et je l'accomplis. En l'occurrence, par exemple, le cas classique, c'est le tzitzit. Le tzitzit, il peut être en lin, et on met le fil de Trélet, le fil bleu azur, à l'époque, pas ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que c'est le bon Trélet, mais en tout cas, à l'époque, on peut lui mettre un fil bleu azur qui était en laine. Quoi, tu mets de la laine sur du lin? Réponse, oui. Parce que mettre le tissu, c'est une mise à tasser, mettre du kilaïm, le lin et la laine, c'est un lota assez, et assez de chelota assez. Et ça se retrouve comme ça dans plein de sortes. Dans plein de domaines de halakha, assez de chelota assez. En l'occurrence, ici, par rapport au Shabbat, on a une question. Brit Mila, c'est une mise à tasser. Yom Tov, apparemment, c'est l'otassé comme le malacha. Tu ne feras pas un travail. Mais, la Gemara explique, et c'est rapporté ici dans le Yom Tov au nom du Rambam, que dans Yom Tov, il y a une mise à tasser velotassé. Tu dois à la fois faire une Shevita positive, repos, et en plus de ça, l'otassé en interdit de faire une malacha, donc assez l'odoché, l'otassé d'assé. Et on continue avec maintenant, Shneim Yom Tovim Shel Rosh Hashanah. On a maintenant le lendemain, c'est pas que ça tombe, Shavuot, c'est que c'est Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, il va tomber 2 jours. Comme c'est fréquent à notre époque, d'avoir, comme on fait toujours. Initialement, Rosh Hashanah, c'était un seul jour. Mais depuis qu'on. Pour des raisons, c'est trop long à expliquer. Mais Chachamim, on dit qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah tombe le dimanche et le lundi, donc il se retrouve qu'en fait, l'enfant, il est né Ben Hashmashot le vendredi. Peut-être qu'il fallait le faire le Brit Mila le vendredi, Kafret Elul. On ne l'a pas fait.
Parce qu'on a peut-être qu'il n'était pas à maturité, peut-être que c'était le septième jour. On n'a pas fait le Shabbat Raftet, Elul. On fera pas, parce que maintenant c'est un Shabbat, ça a été reporté. Peut-être que c'était le Brit Mila, la date réelle, c'était le vendredi. Donc tu ne pourras pas faire le Shabbat. Le dimanche, tu ne pourras pas le faire parce que c'est Yom Tov de Rosh Hashanah. Et le lundi, tu ne pourras pas le faire, tu vas reporter jusqu'au mardi. On se retrouve que Nimol les Shne Masar. On a fait le Brit Mila au 12e jour. Il y a maintenant une machloket super intéressante entre le Rambam et le Rosh. Et ça sort une machloket apparemment entre le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, et le Char, je ne sais pas comment concrètement les Ashkenazim ont le Minhag. Est-ce qu'ils sont poskim comme le Char? C'est probablement que oui, comme ça, ça laisse entendre un petit peu. Il y a une machloket, concrètement, que quoi? Que, on a pris l'exemple de deux jours de Rosh Hashanah. Ça va être trop long à expliquer, mais vous savez, quand même, très rapidement quand même, vous savez que quand on fait deux jours de Yom Tov, il y a une différence fondamentale entre Rosh Hashanah et les autres jours de fête. Les autres jours de fête, en route la reste, quand on fait deux jours de fête, c'est parce qu'on a un doute, c'est lequel le vrai jour. D'accord? En réalité, c'est à l'époque où il y avait on sanctifiait le mois grâce à un témoignage. Alors, c'est pour ça que le Bnei Chutz La'aretz, il faisait deux jours. Pour Rosh Hashanah, c'est une toute autre histoire. C'est réalisé concrètement dans la halakha, on considère que c'est un seul grand jour qui commence depuis le premier jour, qui s'unit le deuxième jour. C'est considéré comme un seul grand jour pour des raisons, parce qu'il y avait les témoins qui venaient, des fois ils venaient, les témoins ils venaient trop tard, ils venaient le surlendemain. Rosh Hashanah, c'est le seul fait qui tombe à Rosh Chodesh concrètement. Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh de Tishri. Maintenant, du coup, c'était assez compliqué au Beth Amikdash. On commençait la Avoda le matin, puis on restait en stand-by toute la journée en attendant peut-être qu'il va y avoir des témoins qui ont vu le renouvellement de la lune, donc on allait décréter qu'aujourd'hui c'était Rosh Hashanah, mais si toutefois les témoins ne venaient pas, donc aujourd'hui c'était un jour de Chol, et puis le lendemain c'est fixé comme Rosh Hashanah, c'était une journée un peu en suspense, très longue, et où du coup il pouvait y avoir des grandes tekalotes jusqu'à la fin, on fait en écrire Rosh Hashanah, ça dure deux jours, ça commence le premier Elul, qui est en fait le premier Tishré, qui est en fait le Lamed Elul, premier Tishré, deux Tishré, et puis comme ça on a fixé. C'est deux jours, mais deux jours qui sont considérés comme un jour très long. Il y a des grandes différences dans les halakhot mouksé, dans toutes sortes de halakhot, parce qu'il y a beaucoup de koulot, beaucoup de halakhot qui sont simplifiés le deuxième jour de Yom Tov, pour Choubel Ben Echus La'aretz. Mais il n'y aura pas ces koulot à Rosh Hashanah. Le deuxième jour, en général, il est très marqué. Par rapport aux autres jours, aux autres deuxième jours de Yom Tov, bien que c'est un jour de Rabbanan uniquement. Et donc, du coup, maintenant, le Rabbam, il nous dit ce qu'il y a écrit ici dans la Mishnah, qu'on ne fait pas le Brit Mila le deuxième jour de Yom Tov, c'est que à Rosh Hashanah. Parce que c'est Gdushah, regardez dans le Bar Tenora, il nous dit Chal Yom Tov Yotachava Shabbat, non, c'était ici, Shnei Yom Tov Yom Shoshana, de Gdushah Achaten. Parce que c'est une seule Gdushah, c'est un seul grand jour. Donc, on déduit du Rambam que si toutefois, à Yom Tov de Galouyot, on fera le Brit Mila le deuxième jour de Yom Tov. Ça, c'est la vie du. Comme ça, ça sort la vie du Rambam, et comme ça, le Char pense. Le Bet Yosef, il prend comme la vie du Rosh, qui apporte dans une tchouva, qui est apportée ici dans le... Bon, tout le monde apporte ça ici, en général, qui lui dit non, pas du tout, même en Chutz La'aretz, on ne fait pas de Brit Mila, une Brit Mila reportée, on ne la fait pas le deuxième jour de Yom Tov. Et c'est ça, en fait, une marquette, la halakha, c'est complexe. Une autre remarque aussi super importante maintenant, c'est que ceux qui ont fait attention, qui connaissent un petit peu le calendrier hébraïque, à notre époque, Rosh Hashanah ne tombe jamais un dimanche. Lo Badou Pessah, Lo Adou Rosh. Lo Adou Rosh. Lo Adou Rosh Hashanah. Lo Aleph Dalet Vav Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ne tombe jamais ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Tout ça, c'est en rapport avec Yom Kippour. Pour ne pas avoir Yom Kippour qui va tomber avant Shabbat ou après Shabbat. Lo Badou Pessah, Pessah aussi c'est le même système, mais sauf que ça ne tombe pas le lundi, le mercredi, le jeudi. Adou, Aleph Dalet Vav et Badou. Donc le Adou Rosh, là, ici, la Mishnah nous dit quoi? Tu parles d'un Yom Tov de Rosh Hashanah qui va tomber le dimanche. La réponse, oui, ça arrivait à l'époque, concrètement, quand on était à l'époque, on sanctifiait le mois selon les témoins, quand venait le 30 Elul, donc on pouvait se retrouver dans une situation, en fait, le 30 Elul potentiel de Aleph Tishri pouvait tomber le dimanche, et dans ce cas-là, on faisait deux jours de Rosh Hashanah dans cette situation. Et on continue avec la dernière phrase, Katan Acholé, En Mohalin Otoa Djavri, un enfant malade, un bébé malade, ne lui fait pas le Brit Mila jusqu'à qu'il guérisse, en réalité jusqu'à qu'il guérisse, et qu'il passe 7 jours mais et 7 fois 24 heures. Depuis le moment où il a guéri, s'il avait une machala bechol gufo, il avait une maladie surtout qu'on considère qui est dangereuse, depuis le moment où il guérit, où le médecin il vient et dit c'est bon, il a guéri, on ne fait pas le Brit Mila tout de suite. On patiente 7 jours pleins. 7 jours pleins à l'heure. C'est-à-dire si le médecin il est passé
J'avais eu le cas moi, avec mon aîné, il y avait un petit problème quand il a eu une petite bulle d'air à l'extérieur des poumons. Et du coup, c'était considéré comme choleb choufo. Il a fallu reporter le Brit Mila. Le médecin, il est passé à 11h30. Et bien, la semaine d'après, concrètement, c'était pas ça. Ouais. Mais en tout cas, si le médecin il est passé à 11h30, 11h30, il a entendu que ça y est, c'est bon, il a guéri. Il a ausculté, il a dit qu'il a guéri. À partir de 11h30, on compte maintenant 7 jours pleins. Et 7 fois 24 heures, et puis on fera le Brit Mila à partir de 11h30 après les 7 jours pleins. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.